Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Vous allez être bénis parce que nous allons développer un thème sur l'appel et les erreurs à éviter. Je confonds éviter avec inviter. Parce que justement, nous avons un invité de marque, yes, un ami de très longue date, yes, et un grand frère dans la foi, l'apôtre Alphonse Ngimba. Il va être avec nous tout le long de cette émission, yes, et il va nous apporter son expertise, son expérience. Et souvent, cette semaine, lorsque je l'ai présenté comme quelqu'un qui m'a introduit dans les dons spirituels et dans les choses de l'onction, comme on le dit. Yes. Il m'a vraiment beaucoup apporté à mes débuts, et c'était notre responsable des jeunes, notamment le groupe des jeunes garçons. Donc, il est avec nous. Dans cette émission, vous allez être bénis. Asseyez-vous, prenez un stylo et notez. Bonjour, pasteur Alphonse. Bonjour, apôtre. Oui, bonjour, apôtre. Le thème, c'est les erreurs à éviter par rapport à son appel, c'est ça? Les erreurs à éviter pour entrer dans son appel. Qu'est-ce que le thème t'évoque? Déjà, merci pour l'opportunité de m'adresser à cet auguste assemblée par l'Internet. C'est une très, très grande église à travers le monde. Ah oui. Et il faut dire que c'est toujours important pour les prédicateurs, les ouvriers, les compagnons d'œuvre, de pouvoir aussi revoir certaines choses, parfois aussi d'écouter d'autres et de s'ajuster. Oui. C'est très important. Alors, ce thème m'inspire le fait que il y a un problème parfois d'impactation et de résultats liés au fait que les gens sont entrés dans l'appel de manière bancale. Les gens ont reçu bel et bien l'appel, ça on en dit, ce qu'on vient pas. Vraiment, c'est Dieu qui a appelé, mais les étapes n'ont pas été respectées. Il y a un coaching qui n'a pas été fait. Et surtout, les gens se sont encombrés des mauvaises personnes. Ils ont bu à des mauvaises eaux, ce qui fait que ces eaux ont influencé négativement le rendement qui était censé être le leur. C'est vrai. À court, moyen et long terme. C'est vrai. Donc pour moi, je pense qu'une telle émission devrait pouvoir aider pas seulement les futurs appelés, pas seulement les jeunes appelés, mais également ceux qui sont en plein dans l'exercice de l'appel. Je pense que par la grâce de Dieu, on va essayer de donner le peu qu'on puisse donner. Amen. La particularité de cette émission, c'est que des hommes de Dieu nous regardent. Très souvent, cette émission, les pasteurs nous regardent, des missionnaires, des personnes qui sont dans le ministère et veulent avoir des outils, ils nous regardent. Mais les jeunes aussi qui aspirent au ministère et qui veulent entrer dans le ministère, je pense que vraiment ce midi, ils vont être bénis. Pasteur Isaac. Oui, apôtre, c'est celui-là. Merci beaucoup pour l'opportunité d'être encore une fois sur cette émission Pendule à l'heure et... C'est un grand privilège d'être, bien sûr, encore une fois avec toi et avec un père, un grand frère, comme tu nous l'as présenté dimanche à l'église. Amen. C'est vraiment une grâce et je crois que je vais surtout, durant cette émission-là, plus poser des questions. Je pense que, comme tu nous l'as présenté dimanche, je pense que c'est un père, c'est un aîné dans la foi qui est capé dans le ministère, plus de 30 ans, je crois, comme il a dit. Donc, moi, je suis vraiment là plus pour poser des questions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le ministère. Je pense que ce thème-là concerne, comme il venait de le dire, des personnes qui vont rentrer et même aussi ceux qui sont déjà dans le ministère. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Je veux surtout poser des questions. C'est vraiment un thème extrêmement stratégique, extrêmement important. Les pasteurs, les jeunes pasteurs que je suis. Merci, apôtre. Apôtre Alphonse, c'est 30 ans dans le ministère et près de 34 ans de vie chrétienne. Tout à fait. Je pense que tu avais accepté le Seigneur à 16 ans, c'est ça? Non? Exactement, en juin 1986. En juin 1986. Voilà. Ah oui, je me rappelle parce que j'ai été baptisé en avril 1987. Oui, c'est la promotion de ma grande sœur, Yanina. Il y avait Yanina. Il y avait César aussi. César. Pierre Barraud. Oui. Plusieurs, hein. Édouard Digalo. Beaucoup qui sont même déjà retraités. C'était une très, très grosse promotion. Hein. Il était plus de 120 personnes. Oui, voilà. Et c'est le défunt pasteur Sylvain Kivi-Boudiengo qui nous a baptisés. Un homme de charisme, un homme d'onction. Un homme qui m'a donné envie de respecter la fonction pastorale. Donc, il y aura vraiment beaucoup à dire. Oui, pasteur Gentil.
Bonjour apôtre, bonjour tout le monde, merci bonjour. Pour l'opportunité. Effectivement, comme le disait le pasteur Isaac, et comme tu le disais, c'est vraiment un honneur et un privilège d'être avec l'apôtre Alphonse sur ce plateau. Je pense que ceux qui vont nous regarder vont apprendre énormément de choses. Parce qu'il y a non seulement l'apôtre Alphonse, mais il y a toi aussi qui es sur le plateau, et je pense qu'ils auront des clés très importantes. Et nous allons simplement nager dans ce flot-là pour apporter ce que le Saint-Esprit nous mettra à cœur. Amen, amen. Pasteur Yadou, c'est l'intérêt du sujet. Intérêt du sujet. Ça commence bien. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. C'est une grâce, un privilège pour moi d'être là. Il y a quelqu'un qui nous disait, juste une petite parenthèse, qui me disait au téléphone en fait que c'est une grâce de voir en fait que notre apôtre ne vient pas de nulle part en fait, et qu'il y a ses grands frères qui sont là pour témoigner des choses qu'il nous a souvent dit. Donc c'est vraiment un privilège et une grâce de te recevoir, apôtre Alphonse. Amen. Donc amen. Pour moi en fait c'est un sujet qui va, je pense qu'il va beaucoup aider les jeunes chrétiens, jeunes leaders, et je pense vraiment que ça va nous permettre de pouvoir éviter certaines erreurs, bien sûr, mais surtout aussi d'exceller, d'aller un peu plus loin que là où nos pères sont allés, en fait. Et parce que je pense que nous sommes dans une génération où nous allons lancer beaucoup de missionnaires, et je pense vraiment que ces clés-là tombent à pic. C'est vraiment le moment. L'apôtre Alphonse nous parlait de ce réveil qu'il y a ici à CER, en fait. Et je pense vraiment que c'est le moment de recevoir ces clés-là pour que nous puissions impacter et éviter les choses, en fait. Amen, amen. Apôtre, quand est-ce que ça commence, l'appel, et comment est-ce qu'on peut reconnaître l'appel dans la vie de quelqu'un, ou comment la personne peut reconnaître qu'elle est vraiment appelée? Alors, il faut déjà dire de manière basique que l'appel a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de ce à quoi tu as été destiné. Il y a Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Mais tombons d'accord, il dit avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que l'appel existait, mais Jérémie n'était pas informé de l'appel, puisqu'il n'était même pas encore formé dans le ventre de sa mère. Ça, c'est une étape de l'appel. D'accord. Après, vous avez le contexte prophétique de l'appel. C'est-à-dire, voici un homme qu'on appelle Moïse, qui naît à une époque où le peuple de Dieu est en train d'être maltraité, on tue les jeunes garçons de 2 ans et en dessous, et au point que les parents même doivent se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour avoir un joli bébé à une mauvaise époque? Donc du coup, le contexte prophétique est important par rapport à l'appel. Il faut savoir que parfois, les circonstances positives ou négatives concourent à la manifestation d'un appel, parce que l'appel ici était lié à une promesse que Dieu a faite à Abraham. Ta descendance ira en captivité en Égypte, et va, enfin dans un pays lointain, et va passer 400 ans, et après lesquels je les ferai sortir avec beaucoup de richesses. Or, les anciens ne savaient pas que le libérateur était déjà né. Ils ne savaient pas. Même lui-même, Moïse, ne savait pas qu'il était le libérateur. Donc, vous savez qu'il y a ce côté mystérieux de l'appel. Le concerné n'est pas informé. Ses parents ne sont pas informés. Après, vous avez la dimension de l'identification au royaume. Vous allez voir Moïse, qui est élevé comme fils de la fille de Pharaon, mais qui, à un certain âge, prend conscience que non, je ne suis pas égyptien. Et donc, qui se comporte en se disant, il faut que je change ma manière d'être et mes relations avec les Hébreux. En fait, ici, on comprend que quand on est dans le monde ou quand on est du monde, on fait des choses et après, on doit faire l'expérience de la nouvelle naissance. Et c'est ce que j'appelle la dimension de base de l'appel. Amen. En fait, quand on parle de l'appel, le premier appel de tout le monde, c'est l'appel au salut. Au salut. Amen. Amen. On ne peut pas tricher avec ça. Quel que soit le don, l'onction que Dieu veut faire avec toi, mais si tu triches et que tu ne passes pas par la porte centrale du salut, mais tu vas être un mercenaire, tu vas tuer des gens et tu vas créer même des sectes. Non, c'est clair. Donc, après l'identification, parce qu'il a renoncé à la gloire de l'Égypte pour s'identifier aux Hébreux, il y a maintenant ce qu'on appelle l'interpellation. L'interpellation intervient quand? Lorsque, après avoir passé un certain nombre d'années auprès de Jéthro, son beau-père, il est en train de faire ce qu'on appelle le quotidien de ses tâches domestiques et professionnelles. Et puis, lui qui était habitué à voir des feux de brousse, il constate que, mais il y a un buisson qui est en feu, mais le buisson ne se consume pas. Beaucoup appellent ministère alors que ce n'est qu'une interpellation. Ah, ça... Ils confondent le ministère et l'interpellation. Dieu a voulu attirer son attention. Pour dire, gars,
En fait, ce n'est pas vraiment Pharaon qui t'a amené ici. Ce n'est pas parce que tu fouillais Pharaon que tu es ici. Tu es ici parce que je voulais commencer à parler avec toi. J'ai des choses à te dire. C'est ça. Mais comme tu es concentré avec ton affaire de mouton là, je voulais que tu m'accordes un peu d'attention. C'est pourquoi Moïse s'approche pour chercher à comprendre pourquoi le buisson est en feu et ne se consume pas. L'interpellation. Et je dis à beaucoup, souvent, il y a des circonstances, il y a des choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui nous interpelle. Amen. Et si vous ne faites pas l'effort d'aller en retraite ou d'aller auprès d'un homme de Dieu pour chercher à comprendre, comme Samuel, qui a entendu une voix et pensait que c'était papa Élie qui l'appelait. Il dit, papa, tu m'as appelé. Le papa dit, non, 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 va, retourne te coucher. Il revient une deuxième fois, mais le vieux savait que... on dirait que Dieu est en train d'appeler l'enfant là. Alors, je ne vais pas faire de l'ombre. Quand tu écouteras encore la voix, dis seulement, Éternel parle, ton serviteur écoute. Donc, l'interpellation est très importante. Après l'interpellation, on a ce que j'appelle l'équipement surnaturel pour ôter le doute lié à la conscience de nos faiblesses. Vous savez, Dieu n'appelle pas des gens qui sont forts. Non, c'est ça. Dieu n'appelle pas des gens qui sont puissants, qui sont intelligents, qui sont exceptionnels. Il appelle les gens ordinaires. Et c'est parce que l'appel nous met devant des défis tellement élevés, on s'est dit, non, non, pardon. Seigneur, tu t'es trompé là. Moi, je pêche encore là. Moi, il m'arrive encore d'arriver en retard à l'église. Moi, il m'arrive encore de faire certaines choses. Donc, c'est pas moi que tu t'es trompé. Dieu dit, c'est toi. Et pour convaincre Moïse que c'est lui l'appelé, et vous avez le miracle de la main qu'il met sur la poitrine qui se transforme en lèpre, et ensuite vous avez le miracle, la transformation du bâton en serpent, et le serpent en bâton. C'est ça. Il fallait tuer le doute, il fallait tuer le complexe, il fallait tuer le fait qu'il avait été diminué après avoir fui Pharaon. Parce que quand il fuit Pharaon, il n'est plus le prince de l'Égypte. Il devient petit berger qui n'a pas d'avenir. C'est ça, c'est ça. Il avait renoncé à tout rêve. Avec un mandat d'arrêt international. Sur lui. J'étais sur lui. Et il était convaincu que sa fille va se limiter à garder les moutons. C'est ça, c'est ça. Donc l'appel aussi, à un moment donné, travaille notre homme intérieur. Travaille notre psychologie, travaille l'image que nous avons de nous. Moi, je dis toujours... la foi que dégage quelqu'un dans le ministère est proportionnelle à la foi qu'il a de lui-même. C'est ça, c'est ça. Tu ne peux pas croire Dieu plus que tu crois en toi-même. Ce n'est pas possible. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur. Je peux répéter. La foi que tu as en Dieu est proportionnelle à la foi que tu as en toi-même. La Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, la qualité de l'amour que tu déploies chez les gens est proportionnelle à l'amour que tu as d'abord pour toi-même. C'est ça. J'explique. Si tu ne prends pas soin de toi-même, tu ne manges pas correctement, tu ne veilles pas sur ta santé, tu es sûr que tu auras le temps de veiller sur la santé des gens? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est la même chose avec la même chose. Tu ne peux pas dire, je crois en Dieu, et puis tu te sous-estimes. Parce que Dieu lui-même est le premier à croire en toi. C'est ça. Il va t'utiliser. S'il ne croyait pas en toi, pourquoi il va t'appeler? Il t'appelle parce qu'il croit en toi. Et lui-même, il sait ce qu'il a investi en toi, que tu ne vois pas encore. Après cette étape, il y a l'étape de la préparation. Une étape très importante. Une étape très importante. Que beaucoup vraiment négligent. Et comme je dis souvent, il n'y a que la génération d'aujourd'hui qui veut un ministère de... un ministère de 70 ans avec une préparation de 6 mois. Voilà, un ministère McDo, un ministère... micro-ondes, rapide. Oui, la préparation à poutre. La préparation, d'ailleurs, avant j'aurais dû parler de la préparation, mais dans deux dimensions. Il y a la dimension caractérielle et la dimension surnaturelle. La dimension caractérielle, Dieu a commencé à travailler le caractère de Moïse en brisant son orgueil depuis l'Égypte. C'est ça. En faisant en sorte qu'il soit employé par un petit sacrificateur à Madian. Il est pris en charge, il est nourri, on lui donne un petit boulot qui n'a rien à voir avec ses ambitions. C'est ça, c'est ça. Au fond de lui, il savait qu'il est un libérateur. Mais il n'avait pas prévu qu'il allait d'abord aller élever les moutons. C'est ça. Donc, le temps qu'il fait là, il se marie, on lui donne le job d'élever les moutons, c'était pour travailler son caractère. Amen. En fait, la plus grande vertu caractérielle qui a été travaillée en Moïse, c'était la patience. La patience, exactement. Parce que Dieu savait que Israël est un peuple au cou raide. C'est des rebelles dans le sang. Tu leur donnes le miracle le matin, avant midi, ils se demandent, est-ce que vraiment toi, tu es un vrai pasteur? Voilà. Donc, cette dimension
de la préparation caractérielle précède la préparation spirituelle ou surnaturelle. Parce qu'on voit un peu, il lui dit, écoute, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Va dire à Pharaon, l'Éternel m'envoie vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il m'offre des sacrifices au désert. C'est là que je dis, quelle que soit la nature de notre ministère ou de notre appel, tout doit tourner autour de la capacité à délivrer les gens d'un statut pour les amener à un statut meilleur. Mais exactement. Si l'appel ou le ministère ne peut pas résoudre cette problématique, Dieu ne t'a pas appelé. Amen, amen, amen. Mais après, quand on a dit ça, on pense qu'on a fini. Non. Il dit, quand vous allez au désert là, ce n'est pas juste pour vous délivrer. Moi, mon gain dans votre affaire là, c'est les sacrifices que vous allez m'offrir. Amen. 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 Et c'est là que je dis, tout ministre qui veut donner l'impression qu'il aime les brebis, c'est pourquoi il ne parle pas de finances, il ne parle pas d'offrandes, il ne parle pas de sacrifices, parce qu'il se met à la place des brebis. Wow. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Il va être plus moraliste que Dieu. Que Dieu. Que Dieu. Oh, c'est pas réel. Il a tellement aimé, il a sacrifié. Il a sacrifié, il a donné. Pour nous apprendre à sacrifier. C'est ça, c'est ça. Donc, je pense que toutes ces choses-là, en fait, on va en parler. Là, j'ai un peu synthétisé, mais il y a beaucoup à dire, apôtre. Il y a même ce que j'appelle les associations coupables. Les associations qui te tuent. Regardez l'histoire de Josaphat et Akab. Oui, 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 oui. Les associations coupables. Josaphat est bel et bien appelé. Dieu aime l'affaire de Josaphat. Mais à cause des liens de mariage, il s'allie à Akab pour aller faire une guerre où Dieu n'était pas dedans. Voilà, voilà. Heureusement que Dieu aimait Josaphat. Josaphat a failli mourir. Mais la flèche qui est venue de nulle part et qui a frappé par hasard a tué Akab. Parce qu'Akab a fait le choix de sortir du plan de Dieu. C'est ça. C'est ça. En tant que roi, il aurait dû conduire les cœurs des enfants d'Israël vers l'adoration de l'Éternel, mais il les a plutôt conduits à adorer Astarté et Baal. Donc je dis, il y a des associations qui parfois viennent court-circuiter notre appel. Après, on se demande, est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Oui, Dieu t'a appelé, mais tu t'es associé à des mauvaises, personnes. Ouais. Au niveau de la conversion du serviteur de Dieu, moi je dis souvent, un pasteur, un homme de Dieu, c'est d'abord un excellent chrétien. Il faut vraiment analyser parfois la conversion des gens. Il y a des gens qui se sont très mal convertis et quand ils entrent dans le ministère, c'est catastrophique. Tout à fait. C'est vraiment catastrophique parce qu'il y a des choses en tant que chrétien qu'ils n'ont pas pu résoudre. Très tôt, il y a eu beaucoup de lacunes. Et après, quand le moment d'entrer dans le ministère arrive, ils entrent avec ces lacunes-là et ça devient compliqué. Et c'est parfois eux qui deviennent les mercenaires de demain, en fait, au niveau de la conversion. Mais j'aime beaucoup ce que vous dites, et je pensais quand il parlait du travail spirituel, surnaturel, en même temps du travail du caractère, parce qu'il a parlé tout à l'heure de l'apôtre de Moïse. Dieu a travaillé sa patience et plus tard, Dieu lui-même va rendre témoignage du résultat du travail, il va dire que c'était l'homme le plus patient de la terre. Parce que je pense que l'un des trucs les plus importants, l'une des choses les plus importantes des fois à travailler, lorsqu'on est déjà dans un ministère où l'onction coule à flot, des fois c'est plus le caractère. C'est ça. Parce que on est dans un ministère où l'onction est déjà là, elle coule à flot, et on reçoit, et parce qu'on est sous, je pense, l'apôtre le disait dimanche, des fois tu es sous la couverture de quelqu'un, parce que tu es sous la couverture, tu bénéficies d'une onction. Tu réalises des choses. Tu as l'impression que ça vient de toi-même, alors qu'en réalité tu es sous un manteau. Et c'est là où le travail du caractère devient très important, parce qu'à partir de ce moment, ça te permet de garder, de conserver, de multiplier ce qu'on reçoit. Oui, vas-y. Mon mentor, qui est en même temps le père spirituel apôtre, le révérend Francis Michel Badiga, m'a enseigné à l'école biblique que l'âme que tu n'as pas voulu travailler dans la solitude va t'humilier en public. Non, c'est vrai. Oui. La leçon que tu n'as pas voulu accepter d'étudier au CP va te faire honte à l'université. Non, c'est ça. Ça. C'est pourquoi on voit que Jacob, il n'y avait pas un problème d'appel pour Jacob. Dieu a aimé Jacob, il a eu Ésaü, c'est clair. Dieu a même fait en sorte que quand Isaac a voulu se tromper en donnant la bénédiction à Ésaü, c'est vraiment Jacob qui l'a eu. Ça, c'est pas un problème. C'est ça. Dieu a démontré à Jacob qu'il est béni puisque malgré que Laban ait changé combien de fois ? 10 fois son salaire. 10 fois, oui. Mais malgré ça, il est revenu de là avec beaucoup de richesses. Mais quand maintenant il faut bénéficier du ministère, il fallait qu'il affronte l'ange seul. Et la Bible nous dit que
Pendant qu'il était seul avec l'ange, il a lutté. Mmh. Dieu dit, bon, même si tu as la réputation d'être un voleur et quelqu'un qui arrive à arracher les choses par la ruse, je vais quand même te faire un truc qui va te rappeler qu'on ne lutte pas avec Dieu. Mmh. Il lui a donné un coup à la hanche. Mmh. Et la Bible dit que ce coup-là, Dieu n'a pas guéri ça. Il est resté avec une cicatrice pour lui rappeler que on ne double pas. C'est clair. Tout le monde sauf moi. Voilà. C'est clair. Et donc, c'est pour dire qu'effectivement, il y a des choses que tu dois traiter très tôt pour que quand certaines circonstances vont arriver, tu ne puisses pas jouer les durs. Tu reconnaisses qu'il n'y a que Dieu qui va m'aider. Les questions d'orgueil, les questions d'autosuffisance, les questions qui parfois nous amènent à vouloir prendre la place de Dieu. Je vous donne un exemple. Parfois, Dieu crée lui-même le manque dans le ministère. Oui, il crée un manque. C'est-à-dire que tu as les moyens de combler, mais il ferme les robinets parce qu'il veut t'apprendre la vie par la foi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui était plus difficile pour Dieu ? De faire descendre la manne comme au temps d'Israël au désert ou d'envoyer des corbeaux pour aller nourrir Élie. Qu'est-ce qui est plus humiliant? C'est pas être nourri par des corbeaux. Si. Un charognard qui sent mauvais, dangereux. On n'y a jamais pensé, c'est vrai. Mais Dieu avait déjà fait tomber la manne, même les cailles. Mais Dieu dit à Moïse, gars, et plutôt à Élie, moi je veux t'enseigner des trucs que tu vas laisser à Élisée. Pour que les gens ne pensent pas que le ministère est facile et que Dieu, il suffit que tu claques des doigts, il règle tous tes problèmes. Toi aussi, apprends la patience que quand tu as mangé le matin là, il faut que tu croies en Dieu pour que les corbeaux reviennent le soir. Amen. Voilà. Amen. Donc, c'est un exemple. Amen. Oui, l'apôtre, en vous écoutant, notre père spirituel, écoutant également l'apôtre, on parlait vraiment des phases avant de rentrer dans l'appel. C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent, les jeunes, peut-être les leaders potentiels, les chrétiens qui nous regardent, en considérant un peu cette phase-là de l'appel au salut, comme on l'a dit, et quand on parle d'appel au salut, on parle des chrétiens, on parle forcément peut-être de la foi, je dirais encore plus de l'amour. Et j'insiste sur l'amour parce que durant un live que tu as fait à Évangile TV à midi, je pense que tu as beaucoup insisté sur David. Et on voit quand même que l'ascension de David, sa force était beaucoup plus également l'amour. Avec tout le cœur et tout ça, l'amour. Et on voit vraiment, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire à tous ceux qui nous regardent, aux leaders potentiels, peut-être aux jeunes pasteurs, la place de la foi, je dirais même plus de l'amour dans le ministère, avant qu'on ne rentre sur le plateau. Un jeune disait quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il dit, le parcours de David, c'est un type du chrétien dans l'église, du leader qui est dans l'église, qui peut vivre avec des ennemis, avec comme tu l'as si bien dit, je connais tes ennemis, mais montre-moi tes vrais amis. Et donc, je veux vraiment peut-être qu'on dise quelque chose à ces leaders potentiels, à ces jeunes pasteurs, la place de la foi et de l'amour avant de rentrer dans l'église. En réalité, bon, pour ne rester même que dans la dimension de la foi, je prêchais dans une église ici à Paris, et j'expliquais aux gens que la foi, c'est plus que la croyance. La foi, au-delà de la croyance, c'est ce qui te fait shifter dans le caractère, le comportement, ce que Galates 5, 22 appelle le fruit de l'esprit. D'ailleurs, la différence entre les appelés de notre époque et les appelés d'aujourd'hui, mais c'est simplement au niveau des fruits de l'esprit, enfin, du fruit de l'esprit. Qui est l'amour. Enfin, en général. se manifeste avec effectivement plusieurs aspects, que sont la patience, la maîtrise, etc. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'effectivement, beaucoup se sont fourvoyés, se sont trompés en pensant que le plus important, c'est que quand je lève la main, toute la salle tombe. Dès que je dis « le Seigneur me parle » et puis ça tombe net, juste en disant « ça, c'est un vrai serviteur de Dieu ». Non, tu es serviteur de Dieu par ce que Dieu a déposé en toi, mais tu dois être aussi serviteur de Dieu par ta réponse à la parole que tu connais. J'explique qu'il y a une différence entre le caractère et la personnalité. La personnalité, c'est ce que Dieu investit en toi. Tu ne fais pas des efforts pour être charismatique. Tu ne fais pas des efforts pour être, par exemple, éloquent, pour être bosseur. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Mais la parole qui dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, c'est pas Dieu qui va l'appliquer à ta place. C'est ça, c'est clair. Non, c'est clair. La parole qui dit, si tu regardes une femme avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère. C'est pas Dieu qui va l'appliquer à ta place. C'est ça. Donc, le caractère, c'est ta réponse à la parole qui est liée à la moralité. Et vous allez remarquer que le ministère,
se fait dans deux sens, le sens vertical et le sens horizontal. Amen, amen. Le sens vertical, c'est notre relation avec Dieu. Le sens horizontal, c'est notre relation avec les hommes. Avec les autres, y compris ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. D'ailleurs, qui sont les plus nombreux et la classe la plus sensible. Parce que j'imagine que quelqu'un qui vient tous les jours à l'église, avec les enseignants, peut comprendre que bon, il peut arriver qu'un chrétien pêche, il peut arriver qu'un chrétien ait une erreur. Mais le gars qui n'est pas encore chrétien, lui te voit comme Jésus. Il ne comprend pas comment toi, pasteur qui prêche, tu blâmes ta femme, tu la tabasses. Il dit non, si c'est ça Dieu, je ne viendrai jamais à l'église. D'où ton caractère est aussi important que la personnalité, c'est-à-dire les dons qui doivent accompagner ton appel. Exactement. D'où, pour répondre à la question, moi je dirais tout simplement que l'une des grandes erreurs, on commence déjà à rentrer en plein dans le thème, que les gens doivent éviter, c'est de faire une séparation entre les dons et la communion avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ouvrent la Bible que parce qu'ils savent qu'ils vont aller exhorter? Il y a des gens qui n'ouvrent la Bible que parce qu'ils savent qu'ils vont aller prêcher. Quand ils savent qu'ils doivent aller prier pour quelqu'un, c'est là qu'ils lisent la Bible, c'est là qu'ils jeûnent. Mais en temps normal, un chrétien normal doit lire sa Bible chaque matin. C'est ça. Il doit prier chaque matin. C'est ça. Et chaque nuit, avant de dormir, il doit examiner comment il a passé sa journée. S'il a péché, il doit se répentir. Parce que Jésus peut venir à minuit, à 3 heures, le lendemain. Ce n'est pas prévu, ce n'est pas écrit. Donc du coup, il ne faut pas que le ministère soit comme une carapace de tortue qui nous exempte de ce que Dieu attend de nous. Parce que les exigences chrétiennes le sont et pour l'appelé et pour le disciple. C'est ça. On est d'abord chrétien avant d'être appelé à servir Dieu. J'aime la devise homme de Dieu de Genèse à mission. Connaître Dieu pour mieux le servir. Amen. Amen. Connaître Dieu pour mieux le servir. Aujourd'hui, les gens sont rentrés dans la facilité. Je suis beaucoup un homme de Dieu sur Internet et puis je commence à vouloir prêcher comme lui. Je suis beaucoup un homme de Dieu sur Internet, je commence à faire les mêmes choses que lui. Parfois, ça marche. Et tu vas impressionner les gens. Mais sauf que la substance te manque. C'est ça. Un petit vent va te renverser. C'est ça, c'est ça. Parce que lui, il est l'original. Toi, tu es la photocopie, non conforme. Non conforme. Tu n'es même pas son fils spirituel. Tu n'es même pas son fils spirituel, c'est ça. Donc, il est important, effectivement, que les gens pensent à leur communion avec le Seigneur. Le péché, ce n'est pas l'acte visible. C'est l'attitude qui nous amène à vouloir faire quelque chose. C'est ça. Il y a des gens qui ont des belles actions, mais ils sont dans le péché. C'est ça. Non, c'est ça, c'est vrai. Et c'est comme amen, tu disais, amen. La motivation. Du coup, la motivation. Ça, la motivation. Wow. Et le caractère aussi, c'est la sécurité un peu dans le ministère, hein, parce que Dieu va faire tellement de grandes choses, mais ce qui va nous sécuriser, c'est notre caractère basé sur le fruit de l'esprit. Amen. C'est ça qui fera en sorte même que en pleine persécution, on ait des bases solides. Parce que pourquoi certains chrétiens tombent en pleine persécution? Parce que parfois, il y a des choses à redire sur leur vie, sur leur caractère, sur leur... Le ministère, il y a beaucoup de pièges et il y aura beaucoup de personnes qui ne vont pas nous aimer. Et dès l'instant où on décide d'entrer dans le ministère, en fait, c'est des déclarations de guerre à l'égard du diable. Et le diable ne va pas accepter qu'on puisse... continuer à faire des dégâts dans son royaume s'il ne nous attaque pas là où il sait que nous sommes faibles. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de construire le caractère, le temps de manifester le fruit de l'esprit et donner une priorité à ces choses-là. Donner vraiment une priorité à ces choses-là. J'ai l'impression même que le surnaturel, quand tu as appelé, il est plus facile à manifester que le fruit de l'esprit et le maintien de sa communion avec Dieu. J'aime beaucoup ce que tu dis, apôtre, et ce que vous dites depuis tout à l'heure. En fait, tu dis souvent que le caractère est le réceptacle de l'onction. Et je pense que c'est vraiment là, je pense, le résumé de tout ce qu'on doit comprendre pour pas faire des erreurs, justement, lorsqu'on rentre à l'appel, parce que très souvent, les gens veulent travailler ce qui est visible. Ce qui est caché. Invisible, c'est ça. Que Dieu seul voit. Et je parlais dernièrement à un jeune et je lui disais, tu sais, tu dois être capable de faire des choses même quand on ne te voit pas. C'est-à-dire de faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est vrai que tu peux tous nous blaguer, tu peux nous faire croire des choses, mais Dieu te voit.
Dieu t'a vu. Ouais. Et je disais que la maturité, c'est aussi la capacité d'être conscient de la présence de Dieu à côté de toi. D'être conscient que l'ange de Dieu te regarde, le Saint-Esprit est là. Toute action que tu poses, il a quelque chose à dire. Mais au-delà de ça, la Bible nous dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Ils sont plusieurs à nous regarder, en fait. Et lorsqu'on croit qu'on est caché, on n'est pas si caché que ça. Donc, et plus on a conscience de ça, moins on va faire des erreurs, en fait. Et plus on sera même apte à nous répentir. Parce que c'est vrai qu'il peut arriver qu'on ne se répond pas parce qu'on pense qu'on ne nous a pas vus. Mais quand on a été vu publiquement, on aura tendance à moins s'élever, à plus se faire petit, en fait, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin, en fait. Et je pense vraiment que c'est important que, comme vous le disiez, qu'on puisse se focaliser beaucoup plus sur le caractère pour mieux réussir, en fait. Parce que celui qui n'a pas travaillé avec son caractère, et comme tu le disais tout à l'heure, apôtre, il sera humilié par ce même caractère plus tard. Regarde, Genèse 10, 17, Dieu dit à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre. » Est-ce que tu sais que c'est la conscience que Dieu te voit qui te rend intègre? C'est ça? Totalement vrai. C'est ça? Ce ne sont pas les caméras, c'est pas parce que les frères passent la journée chez toi ou que toi tu passes les journées chez les frères qui te rend intègre. C'est quand tu es conscient que Dieu me voit. Et le pluie de l'Akai Roy pour Isaac, c'était l'Éternel me voit ou l'Éternel m'a vu. Après, pour revenir et rebondir sur le caractère, regardez, Moïse est 40 ans entre sa naissance et le jour où il entre à Madian. 40 ans entre le jour où il arrive à Madian et le jour où il va délivrer Israël, et 40 ans seulement de gestion de la marche dans le désert. Quand vous calculez, en réalité, Moïse, comme on l'a démontré au départ, est appelé depuis. Il a découvert son appel après avoir pris conscience qu'il n'était pas égyptien, il est hébreu. Parce que s'il n'était pas conscient de son leadership, il n'aurait pas tué l'Égyptien. Il n'avait pas l'intention de tuer l'Égyptien. Il a voulu juste séparer l'Égyptien qui frappait l'Hébreu. Mais pour et que... ça a mal tourné. Et ça a mal tourné. Il n'avait pas prévu ça. Ça a mal tourné. Maintenant, pour que Dieu puisse... Il a frappé trop fort. Rejouer la paix. Pour que Dieu puisse révéler le potentiel, Dieu dit, je te cache pendant 40 ans chez Jéthro. Et c'est là que je dis... Dans le processus de l'appel, il y a l'école des hommes, CP jusqu'à l'université. Il y a l'école de la vie, ce que tu apprends sur Internet, la culture, la télé. Et il y a l'école des hommes de Dieu. Et enfin, il y a l'école de Dieu. Amen. L'école des hommes de Dieu est censée prendre le relais pour filtrer dans tout ce que tu as appris, qu'est-ce que tu dois retenir, qu'est-ce que tu dois jeter. Et quand tu as réussi le diplôme à côté d'un homme de Dieu, tu es qualifié pour entrer à l'école de Dieu. Parce que quand Moïse finit ses 40 ans chez Jéthro, le seul jour où il a encore eu la chance d'écouter Jéthro, c'est quand Jéthro est venu lui donner des conseils sur l'organisation. Voilà, quand il était dans le désert. Mais c'est plus lui qui lui disait, écoute, quand tu seras devant Pharaon, lève le bâton comme ça. C'est ça. Fais comme si. Ah, c'est l'école de Dieu. Fais comme ça. Pour changer l'eau en sang, fais ceci. Non. Wow. Bon, pour reconnaître la nuée ou bien la colonne de feu, fais comme si. Non, là, c'est maintenant, tu es toi-même avec Dieu. C'est ça. C'est ça. Donc, tu verras que le temps que tu passes à côté de l'apôtre, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas juste la gloire de « je suis le collaborateur de l'apôtre ». Tu es à l'école. Amen. Ouais. Amen. Toi qui suis tous les jours pendu à l'heure, tu es à l'école. Parce que tout ce qui se dit là, aujourd'hui, tu peux ne pas le comprendre. D'ailleurs, tu ne comprends même pas 50% de ce qui se dit. Tu le comprends intellectuellement, mais ton esprit va le recevoir quand tu vas vivre certaines choses. C'est vrai. C'est vrai. Totalement vrai. Tant que tu ne vis pas certaines choses, tu as l'impression que oh, ça, je sais déjà. non, je sais, la Bible dit. Non, la Bible dit, mais ce n'est pas vrai pour toi. C'est ça. Tu n'as pas encore expérimenté. C'est clair. La Bible dit, mais ce n'est pas vrai pour toi. Et je pense que c'est là aussi, c'est cette humilité-là qu'on doit avoir, je pense, parce que par rapport... à l'appel, se dire qu'on est en train d'emmagasiner, même si on n'utilise pas, on aura besoin demain. C'est ça. Et c'est quelque part un peu la même humilité qui nous est demandée à l'école. On apprend beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses entre primaire, collège et autres. Et on peut avoir l'impression des fois que ça ne servira à rien. Mais c'est ce qui nous qualifie pour ensuite prendre une formation dans un métier spécifique. Parce que si, par exemple, tu veux faire des études pour devenir ingénieur, si tu n'es pas passé au CP, au collège, etc., tu ne peux pas aller là-bas, en fait. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre
ça que c'est une école et que nous sommes des élèves. Mmh. Et surtout, comprendre ce qu'on attend d'un élève. Mmh. C'est que non seulement il révise ses leçons, mais qu'il peut être corrigé. Mmh. Un élève peut être puni. Et que ce n'est pas une honte en soi, en fait. Mmh. Bien au contraire, c'est la manifestation de l'amour de, de ses parents. Mmh. Tout à l'heure, tu as parlé de Moïse. Moïse qui a fait 40 ans de vie, après 40 ans à Madian, et 40 ans de ministère. Donc, plus de temps de préparation que de temps d'exercice du ministère. 80 ans. 80 ans juste. 40 ans, voilà. Mmh. Il y a un cas encore qui est un peu plus intriguant, c'est le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, 6 mois et demi de ministère pour 30 ans de préparation, en fait. Parce que Jean-Baptiste a commencé 6 mois avant Jésus-Christ, avant le Seigneur. Et quand le Seigneur a commencé, bon, quelques semaines après, on a coupé la tête. Attendez, 30 ans. On va dire 30 ans de préparation pour juste 6 mois et demi. Et Jésus va dire que de toutes les femmes, de tous les êtres humains qui sont nés des femmes, lui, il est le plus grand. Il est le plus grand avant Jésus-Christ, bien sûr. On se rend compte que le temps de préparation est extrêmement important. Tout à l'heure, tu parlais de l'intégrité. C'est important que vous compreniez que l'intégrité est un trait de caractère qui est très important quand on est un serviteur de Dieu. Parce que l'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est ce qu'on est, ce qu'on fait lorsqu'il y a personne qui nous regarde et nous voit. C'est ça l'intégrité, en fait. L'intégrité, ce qu'on est et ce qu'on fait quand il n'y a personne pour nous voir, en fait. Quand les gens nous voient, ils peuvent nous... voilà, on peut faire bonne presse. Mais quand on est seul, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que... Et parfois... on pense que l'intégrité, c'est forcément, non, on te donne 5 euros et puis tu rends une monnaie de 3 euros, machin, tout ça. Alors que l'intégrité, c'est même ta vie de prière. Est-ce que tu pries seulement quand tu es à la réunion ou à la maison? Quand tu vas prêcher. Aussi, tu pries, voilà. Ou bien, est-ce que tu pries seulement quand tu vas prêcher ou bien à la maison? Aussi, tu as ta communion avec Dieu. Et le fait de ne pas prier à la maison et de faire seulement de prier devant les gens, c'est un manque d'intégrité. C'est parce que tu te fais passer pour ce que tu n'es pas, en fait. Et à un moment donné, ça va te rattraper. Et c'est important que dans le caractère, ces choses-là soient bien installées, bien assises. Et apôtre, j'avais une question par rapport à ce que... tu as dit quelque chose de très fort au début. Tu disais que beaucoup de personnes, lorsqu'elles rentrent dans le ministère, sont victimes, en fait, de... Elles sont victimes, en fait, de leur caractère. Et c'est pour ça qu'elles ne réussissent pas. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça, apôtre Alphonse. Tout à l'heure, le pasteur Isaac a posé la question par rapport aux jeunes serviteurs. Mais il est vrai que j'ai remarqué, hein, depuis des années, qu'on peut être même... depuis des années dans le ministère, mais finir quand même par échouer. Même depuis 20 ans. Même depuis 30 ans, même depuis 50 ans. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'une personne, ma question elle est particulière, qu'une personne commence, mais qu'elle a des lacunes et que se rend compte de l'ampleur de ces lacunes dans son ministère et qu'au final, qu'est-ce qu'elle doit faire pour travailler ces lacunes-là? Parce que ça peut être difficile de se rendre compte pendant qu'on est dedans. Est-ce que peut-être avant que tu ne répondes, avant que vous ne répondiez, parce qu'il y a aussi une autre pote qui est là, peut-être pour ajouter un petit volet. C'est vrai, en écoutant tout ça, il y a un verset depuis là qui venait dans mon cœur, c'est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Je pense parfois on est beaucoup plus porté vers la puissance. Pourtant, c'est Dieu qui nous a donné ça, ça n'impressionne pas Dieu. Et puis en écoutant vraiment ces deux facettes-là en Christ, je réalise vraiment que ce dossier, cette affaire de caractère est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'on rend un bon témoignage de Moïse, sa patience. Mais on voit quand même, c'est ce qu'il est en train de dire un peu, mais on voit quand même, malgré toutes les qualités que Moïse avait, on voit quand même qu'à la fin quasiment de son ministère, le trait de caractère que Dieu va louer, l'opposé de ce trait de caractère va quand même continuer à se respirer. C'est ça qui va le disqualifier. On voit quand même cette affaire de caractère là dans le ministère, dans l'appel, est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ah bah, je pense que c'est l'école qui continue toute notre vie. Alors, on va commencer, parce que puisqu'on y est, avec Moïse. Vous allez voir qu'il y a un incident qui se produit juste après l'envoi. Après que Dieu ait affecté à Moïse Aaron, et il est convaincu qu'écoute, toi tu seras Dieu pour Aaron, et Aaron sera ton prophète. Et puis, il arrive, il dit au revoir à son beau-père, et puis au moins il doit partir avec sa famille. La Bible déclare, l'Éternel l'attaqua. Comment comprendre? Ah, ça, c'est un passage. Vraiment, ça, c'est tu m'appelles, je suis tranquille dans mes galères. Et au moins, je vais répondre à ton appel, tu veux me tuer. Dieu, je t'ai fait quoi? Au premier degré, ça semble contradictoire. Mais en réalité, ça répond plus ou moins à votre question, à savoir que les 40 ans
que Moïse a tapé chez Jéthro, il n'est pas sûr qu'il ait pris la mesure de tout ce que Dieu voulait qu'il comprenne. Wow. Non seulement par rapport à la question de la colère, parce que ce que beaucoup ne savent pas et qu'il faut rappeler, c'est qu'il était fils de Lévi, qui a épousé une fille de la tribu de Lévi, de la maison de Lévi. Or, Lévi signifie colère. Donc, il avait des réclamations, un arrière-plan, des gènes et un ADN de colère, que les 40 ans n'ont pas suffi à traiter correctement. Donc, c'est déjà pour dire aux gens, c'est pas parce que tu as mis longtemps à côté d'un homme de Dieu que tu es forcément formé, que tu es forcément qualifié. Tout dépend de comment tu as géré les mots, les attitudes et même la manière dont il t'a traité. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Non, mais pasteur, moi, je leur prends souvent même l'exemple de Pierre. Parce que c'est important qu'on puisse veiller sur ces choses-là. Je leur prends l'exemple de Pierre. Pierre, on change son nom. Il s'appelle Simon, qui signifie roseau. On met Pierre, roc, dureté, parce que le monsieur, son problème, c'est qu'il était versatile, en fait. Il était très changeant, Pierre. Dans Actes des Apôtres, pourquoi l'apôtre Paul le réprimande? Parce qu'il n'assume pas, il n'assume pas en fait ses convictions en fait. Tu vois, et Paul lui dit, mais frère, si tu fais quelque chose, assume, ne fais pas l'hypocrite en fait. Et ça, c'est la particularité des gens qui sont versatiles et changeants, c'est qu'ils peuvent ne pas assumer. On voit le naturel qui revient au galop dans la vie du grand apôtre Paul. Et pourtant, Jésus avait même, du grand apôtre Pierre, et pourtant Jésus avait même changé son nom. Donc, on doit toujours veiller, faire attention et puis discerner les domaines où on sait. Et comme je dis souvent, ce qui a défié nos parents, ça va nous défier. Ce qui a attaqué nos parents, ce qui a attaqué notre famille, ça va nous attaquer. On doit toujours veiller, regarder. Et je pense même que quand l'apôtre Paul dit qu'il tient assujetti son corps. Il parle de ça, en fait. Le grand apôtre Paul. Il parlait d'Amalek. C'est-à-dire que... Amalek était chez le grand apôtre. Voilà, le grand apôtre Paul. Tu vois un peu. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a un travail que nous faisons, mais tout le long, on doit veiller. Il y a le travail, il y a aussi la veille, parce que ça peut ressurgir. Après, il faut aussi identifier les lacunes, parce que nous avons les lacunes, et c'est important de les identifier. Quand on reconnaît les lacunes dans le caractère, on se focalise dessus, parce qu'il y a des choses, et on travaille dessus. Il y a des choses qui vont changer tout de suite, et il y a d'autres qui ont besoin d'être assujettis. Voilà. Après, tu avais souvent parlé du fait que, quand tu parles des parents, en fait, ceux qui ont combattu nos parents vont le combattre. En fait, ça va, je sais pas, tu avais dit aussi qu'il faut qu'on prenne le temps, faut prendre le temps de s'examiner soi-même, pour savoir, en fait, déjà, quels sont nos défauts, et quels étaient les défauts de nos parents, pour ensuite prendre le temps de travailler dessus. Mais je pense encore plus, c'est qu'il faut les assumer. C'est-à-dire que beaucoup savent qu'ils font, ou on va même leur faire des reproches, mais ils les refusent, parce qu'ils n'aiment pas l'image qui est dépeinte d'eux, en fait. Or, je pense que l'idée ici, c'est aussi de réussir à l'accepter, et de dire, bon, je dois travailler dessus, je dois faire cet effort là-dessus, au lieu d'essayer de falsifier l'information qui nous est renvoyée. Par exemple, on va dire, non, mais on a remarqué que toi, vraiment, tu t'énerves pour rien. Mais comme cette image te déplaît, tu dis, non, ça, c'est pas moi. Parce que tu as une autre image de toi. Mais si c'est 2-3 personnes qui te le disent, sachant que tu es encore à l'école de l'homme de Dieu, tu dois être capable de l'accepter et de dire que ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Moi, peut-être que je ne suis pas d'accord, je ne l'accepte pas. Mais si on me le dit, ce n'est pas pour rien. Et prendre le temps de travailler dessus. Et je pense que c'est là aussi où se trouvent ces différents pièges par rapport à l'appel. C'est qu'on va refuser d'accepter qu'on a ce genre de défaut. Qu'il faut travailler. Et c'est par là aussi que le diable va souvent passer, parce qu'on ne veut pas l'accepter. Et du coup, on ne peut pas changer. Mais par rapport à ce qu'il dit, ça me fait penser, des fois, certaines personnes refusent le reproche parce qu'elles pensent que ça a un lien avec la déclaration. Parce que souvent, on nous fait déclarer des choses, on nous dit « Tu n'es pas ceci, tu es cela, déclare. » Et donc, du coup, quand tu leur dis « Tu as ce défaut », ils mélangent tout. Non, ils confondent les choses. Pasteur, excuse-moi, pasteur gentil. Par rapport au péché, la Bible dit « Si nous confessons nos péchés, le positif, c'est le péché. Voilà, c'est le péché. Si nous confessons nos péchés, c'est là où il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, confesser ses péchés, ça ne veut pas dire que tu déclares le négatif. C'est la faute. C'est nécessaire. Je complète un peu par rapport à cette partie.
Vous savez, Paul dit, je constate quelque chose, c'est qu'il y a en moi une force qui me pousse à faire le mal. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, s'impose à moi. Il est déjà chrétien. Il est chrétien, serviteur de Dieu. Il a déjà peut-être même vu le troisième ciel. Oui, l'excellence des révélations. Continue, apôtre. Il dit, misérable. Qui me délivrera de ce corps qui me délivrera de péché? Et c'est là que Dieu te fait comprendre que je ne peux pas te délivrer de ton corps. Je veux plutôt que tu domines ton corps. C'est ça. Et que tu le crucifies de manière permanente. Permanente. Une autre traduction de quand Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais notre tradition dit, soyez au contraire en train d'être rempli. Parce que si vous voyez ça c'est comme continué. Un présent, c'est continuel. C'est continuel. Et c'est lui qui se met à fumer. C'était le Saint-Esprit. Mais à ce moment où il fume là, il a cessé d'être rempli du Saint-Esprit. Ça doit être continuel. Mais même l'apôtre Jésus dit, portez sa croix tous les jours. Et pourtant, à cette époque, il n'était pas encore crucifié. Je voulais rebondir par rapport à... Je sais pas, pendant que Pasteur Gentil parlait, j'ai vu comme une petite subtilité. En fait, la Bible va dire de prêcher dans l'amour, en prêchant avec amour. Éphésiens chapitre 4, il y aura un impact, il y aura la croissance. Pendant qu'il parlait, il y a une petite subtilité, je veux quand même soulever. C'est en fait, le diable, quand on parle de fait de confesser les péchés, c'est une chose. Mais on va souvent voir que le diable, quand il se présente pour nous présenter peut-être nos défauts, et même nous accuser, parce que même quand le diable vient nous accuser, c'est peut-être même pour nous ajouter des défauts et modifier quelque chose dans de nous. Moi, je pense que pendant qu'il parle, je vois qu'on doit également faire attention. C'est peut-être ce qui a limité quelque part Moïse. C'est pour ça, peut-être Dieu, dans la suite, il va maintenant dire à Josué qu'on fait davantage. L'apôtre enseigne souvent ça, que moi, Moïse, c'était beaucoup plus le bâton. Le bâton et que Josué, c'est maintenant la parole. On dirait que c'est pour ça que Dieu va maintenant aussi dire à Josué, il faut parler la parole chaque jour. Parce qu'il a dit quelque chose, l'apôtre Alphonse, dimanche, je ne sais pas si vous avez capté, quand il a dit, la parole peut même changer l'état. Il a dit durant l'exercice du ministère. Donc, on voit que le diable va nous présenter peut-être nos défauts et même vouloir ajouter des choses. Il va le confesser dans le but de nous tuer. Mais c'est vrai que les gens qui nous aiment, ils vont nous présenter les défauts dans le but de nous voir changer. Donc, on doit arriver à trouver cette frontière et faire attention. La personne qui me parle, est-ce que vraiment il y a l'amour? Parce que le but, ça peut être des mauvaises déclarations qui vont t'enfoncer. Je prends quelqu'un, tu as grandi parce que les personnes, les tempéraments... Tu peux avoir des parents, tu as eu des traits de caractère, tu es peut-être timide, tu manques de confiance en toi-même. C'est des choses qui sont quelque part aussi dans le sang. Mais je pense que les confessions, quand tu reconnais et tu confesses, ça va comme éradiquer cette timidité. C'est pour ça que la Bible va dire qu'effectivement, quand on parle en langue ou qu'on confesse, on se fortifie. Donc, il y a quelque chose qui se modifie au-dedans de nous. Une chose est sûre, nous sommes dans le cadre du caractère. Amen. Pas dans le cadre de qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie meilleure. Le caractère se traite avec des médicaments qu'on appelle la repentance, des médicaments qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Amen. Vous avez un apôtre. Et ça se corrige par ce que j'appelle l'acceptation du ministère du Saint-Esprit dans notre âme. Amen. À quel moment la Bible dit-elle, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus? C'est après avoir confessé le péché. Puisque dans Romains 7, Paul démontre combien vraiment le péché l'amène parfois à des histoires qui ne voulaient plus, à des situations compliquées. Mais c'est au chapitre 8 maintenant qu'il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc quand tu es en Jésus, tu es dans un statut qui te donne la capacité de dominer ce qui dominait tes parents. Mais moi, je voudrais revenir sur Moïse. Quand il quitte Jéthro et que l'Éternel attaque pour le tuer, Séphora prend une pierre aiguë. Et... Ah ouais, c'est vrai que tu n'avais pas fini ça. Voilà. Écoutez bien. Cette pierre aiguë, quand elle coupe le prépuce, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça nous renvoie tout de suite à l'alliance entre Dieu et Abraham. Abraham a toujours été l'ami de Dieu jusqu'à ce que Dieu dise, « Ok, gars,
On parle tous les jours, on cause, mais il y a quelque chose qui manque entre toi et moi. Ouais. Il faut qu'on entre dans une alliance de sang. Et c'est cette alliance qui fera que pour que tes enfants, je puisse les accepter dans ton, notre contrat là, il faut qu'eux aussi fassent la même chose que toi, la circoncision. Or, voici quelqu'un qui est appelé. Voici quelqu'un qui est appelé à aller faire des miracles devant Pharaon, à délivrer tout un peuple, mais il ne s'était pas encore identifié dans l'alliance d'Abraham. Ouais, c'est vrai. Tu peux t'appeler Moïse, même si tu es fils de Lévi. Mais attends, quelle est la preuve que le royaume te reconnaît? C'est ça, c'est ça. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes gens. Ils prêchent bien, ils chassent les démons, ils guérissent les malades. Sauf que ça, il n'a pas une alliance avec Dieu. Et comment, comment j'identifie l'alliance ici avec Dieu? Ça n'a rien à voir avec le fait de dire « Seigneur Jésus, viens dans ma vie ». C'est un mentor qui t'établit. Mais c'est un père qui te présente au monde et aux esprits. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des gens qui font facilement les délivrances devant certains cas, mais il y a d'autres cas où le démon dit « Je ne parle pas ». C'est ça. C'est parce qu'il n'a pas été présenté aux esprits par une autorité supérieure. Et ça, là, on est en train d'introduire une autre erreur que les gens font, justement. Le manque de recommandation, d'ordination. Même si ce n'est pas une cérémonie formelle, il faut moins qu'une autorité t'ait dit « va, va, que mon Dieu soit avec toi ». Non, c'est vrai. Ça ressemble à une petite phrase anodine, mais il y a des anges que tu ne connais pas qui sont obligés d'assurer ta sécurité, qui vont faire ta prise en charge matérielle et financière, qui vont t'aider à faire le bon choix dans le mariage. Et si ta femme avait du mal à comprendre ton appel, qui vont lui laver le cerveau pendant le sommeil. Et le lendemain, non, tu ne reconnais plus ta femme. Comment ma femme a été transformée? Alors qu'elle avait du mal à faire certaines choses, elle n'acceptait pas que j'aille tout le temps en mission. Les anges de l'homme de Dieu qui a dit va et que mon Dieu soit avec toi. On fait le job. Non, mais incroyable. Ça, beaucoup, et ça, beaucoup ne comprennent pas parce que la société dans laquelle on est aujourd'hui, déjà banalise ces choses-là. C'est. Enfin, bon. C'est le problème qu'on a avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un. Tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un, il suffit qu'il ait des followers, il ait beaucoup de vues sur les réseaux sociaux. Ça y est, il dit maintenant qu'il est un père, il dit maintenant c'est un homme de Dieu. Le problème, c'est que quand la tempête va frapper, tu vas te rendre compte que tu n'as pas de couverture. Tu te rendras compte simplement que tu n'as pas de couverture. Moi, je sais que si l'apôtre Francis Michel Badinga n'était pas venu faire mon ordination à Rennes, je sais que. Il y a des persécutions, je n'aurais pas résisté. Parce que quand on lance l'église de Rennes, à un moment donné, on a tellement de succès qu'on ne se rend pas compte qu'il y a quelques communautés de la place qui vont se liguer contre nous et qui vont même écrire des choses à la préfecture, au ministère de l'Intérieur, tout ça. Nous ne savions pas vraiment dans les profondeurs que notre père spirituel avait déjà avait des contacts avec les gens de la fédération. Et donc, quand on les contactait, on contactait le ministère de l'Intérieur, ils contactaient la fédération qui connaissait mon père spirituel et comme mon père spirituel m'avait recommandé, et ça c'est des années après que tu apprends ça. Vraiment. C'est même pas quand ça arrive en fait. Tu apprends juste que bon tiens, il y a eu tel truc, machin, c'est parce que quelqu'un a parlé pour toi que tu as pu continuer. Mais je connais beaucoup qui se retrouvent vraiment dans des choses très compliquées à cause de cette manque de couverture en fait. En fait, c'est qui parlera pour toi parce qu'il y a des voix qu'on va pas écouter. C'est ça. Il faudra que un père puisse parler pour toi parce que sinon toi ta voix n'aura pas le même poids en fait. C'est ça. Et c'est vraiment particulier apôtre parce que je disais à un jeune en lui disant que nous sommes dans un ministère où nous sommes bénis parce que nous sommes vraiment formés. On prend du temps pour former des hommes de Dieu, du temps pour former vraiment pour nous aider à développer le bon caractère en fait. Parce que ce jeune me disait, mais attends, mais depuis que tu as la CER, mais c'est quand vraiment qu'on va t'ordonner? Moi, je comprends pas, machin, J'ai dit, mais parce que quand je vois tel, il a accepté le Seigneur après toi, mais il est devenu déjà pasteur sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Moi, je sais que je suis dans une très bonne école. Amen. Mais je prendrai le temps qu'il faudra prendre parce que je sais qu'il y a un appel sur ma vie.
Et très souvent, en fait, les gens regardent à ce qui frappe aux yeux en disant, oh, comme il s'appelle apôtre tel, pasteur tel, bishop galactique. Donc, ça veut dire que, j'ai dit, non, c'est une question de formation. Qui t'a formé? Où est-ce que tu viens? Quelle est la couverture qu'il y a au-dessus de ta tête? En fait, qui es-tu spirituellement? Et c'est là où les choses se passent dans le monde spirituel, en fait. Et l'idée ici, c'est de vraiment savoir et de prendre le temps de reconnaître la grâce qu'on a d'avoir les pères que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps d'être soumis et d'écouter les leaders. Parce que très souvent, le leader va dire A, mais il y a un mentor quelque part sur Internet qui dit B. Et du coup, ils sont perturbés parce qu'il y a, le jour où il a dit B, il y avait 5000 followers, 5000 personnes connectées. On va accélérer. Regardez, Moïse a passé 40 ans auprès de Jéthro. Et puis, il y a tout ce qu'on vient de dire là. Il va en Égypte, il délivre le peuple. Et puis, il se retrouve au désert avec plus de 600 000 personnes qui ne sont pas des moutons. Là, ce n'est plus les moutons. C'est plus les là, c'est les vrais gens maintenant. Là. Non, je vais expliquer un truc très rapidement. Imaginez que Moïse était mal séparé de Jéthro. Qui aurait montré à Moïse les stratégies de la croissance et de la gestion de sa nouvelle église? Beaucoup sont des voleurs et des escrocs spirituels. Ils prennent 1 million ou 500 000 ou 100 000, ils vont trouver un homme de Dieu, il dit, prie pour moi, verse l'huile. Dès qu'on lui a versé l'huile, au gars, il part, il n'a plus jamais appelé, il n'a plus jamais... Il ne connaît même pas les enseignements de ce gars. C'est ça. Il veut juste que les gens disent que c'est tel qui est son père spirituel. Mais dans la réalité, il n'a pas la connexion. C'est ça, c'est ça. En réalité, l'huile est une présomption de reconnaissance. C'est ça. C'est ça. C'est la relation qui valide la reconnaissance. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu vois, non? C'est ça. Quelle est la différence entre le feu de la tige d'allumette et le feu de la bûche que le bûcheron coupe? Le feu de la tige d'allumette, c'est en quelques secondes. Mais je n'ai pas vu une bûche d'allumette qui prend plus d'une minute pour être consumé. Tandis que la bûche, il faut faire beaucoup de gymnastique avant que le feu ne commence à prendre. Mais c'est un feu qui peut prendre une semaine, deux semaines, en fonction de la longueur de la bûche. Donc le père spirituel veut t'apprendre à ne pas être un feu de paille, mais soit un feu de brousse que les pompiers mettront des semaines à vouloir éteindre. L'adversité, tu veux pas, elle viendra. Elle viendra, ouais, c'est clair. L'avantage, c'est que le père a déjà connu cette adversité. C'est ça. Et ce qu'il a humilié ne va plus t'humilier. C'est ça. Ce qu'il a retardé ne va plus te retarder. C'est ça. Ce que j'aime aussi avec l'homme blanc en général, il a un dicton qu'on dit, on ne réinvente pas la roue. C'est ça. C'est ça. Mais ça. Nous, souvent, on aime réinventer la roue parce que par orgueil, on veut que les gens disent c'est moi le père de telle révélation, c'est moi le père de telle façon de faire. Mais tu perds le temps parce que ce que tu fais là, quelqu'un a déjà fait ça. C'est ça. Si tu prends ces conseils, tu iras plus loin. Plus loin. Mais pendant que tu parles, excuse-moi, je t'ai pas coupé. Non, j'avais fini. Pendant que tu parles, ça me fait penser à quelque chose que tu as dit il y a des années de cela. Lorsqu'on vient voir Jésus pour lui parler de Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste remettait en cause ou se posait du moins la question de savoir si Jésus était vraiment le Messie qu'on devait attendre. Jésus, tu nous avais dit ça, ne va pas remettre en cause le ministère de Jean-Baptiste. Il va au contraire le remettre à la place pour pas que tous ceux qui l'entendaient puissent cracher sur lui alors que c'est celui qui a baptisé Jésus. Il va dire de tous les hommes nés d'une femme, c'est lui qui est le plus grand. C'est important de comprendre qu'en fait, cette dimension-là, c'est dans tout ce qu'on est en train de dire, mais même lorsque le père passe par des difficultés, ça nous montre réellement si notre alliance ou notre filiation est suffisamment forte pour résister à ça. Je t'arrache la parole pour confirmer ce que tu dis. Ton père n'est pas encore ton père spirituel jusqu'à ce que tu voies sa nudité. Amen. On doit entendre ça dans la francophonie. Les hommes doivent entendre ça. Il n'est pas encore ton père spirituel. Je paraphrase. On parlait de quelqu'un hier au restaurant et puis on disait, oui, parfois il va te faire tel truc. Mais nous tous, sans se concerter, on savait que c'est la personne qui va t'introduire dans les grandes choses que Dieu a prévu que tu fasses. C'est clair. En fait, Dieu n'a jamais prévu qu'un père spirituel soit parfait. C'est pas son appel d'être parfait. C'est pas son appel d'être parfait. C'est son appel d'être parfait.
C'est pas son appel d'être parfait. Oh là 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 là. Bon, continue. La prochaine fois qu'il dit, il me dit, mais apôtre, mais faut pas penser que tu es parfait. Tu lui dis, mais c'est pas mon appel. C'est pas mon appel. Le problème, c'est que les gens, ils aiment pas. En fait, ils veulent pas avoir de couverture spirituelle à cause des cadres. Mm-hmm. Parce qu'avec une couverture spirituelle, il faut parfois des cadres. Et les gens détestent les cadres. Tu veux ce que tu veux, en fait. Voilà. Le règlement, ils aiment pas la discipline. Voilà, quoi. Tu vois, les gens aiment la royauté, mais ils n'aiment pas les cadres. Mm-hmm. Ils aiment ça. Et le lion est considéré comme le roi de la forêt. Mm-hmm. Et pourtant, vous pouvez taper sur Internet, faire des recherches. Mm-hmm. Vous allez vous rendre compte que l'espérance de vie du lion est doublée lorsqu'il est en cage plutôt que lorsqu'il est en liberté. Wow. En fait, le lion vit plus longtemps en cage qu'en liberté. Vous vous rendez compte de ça? Et en cage, il est le plus féroce, il est le plus machin qu'en liberté. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas les cadres. C'est pour ça qu'ils sont très méchants avec leurs leaders, avec les cadres, machin. Et pourtant, les cadres vont augmenter l'espérance de vie. La couverture spirituelle va augmenter l'espérance de vie. La Bible dit « Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre, ça va augmenter l'espérance de vie. Et les gens, c'est ça qui les fait peur. C'est les cadres parce qu'ils ont l'impression qu'on les met dans une cage et ils ne vont pas pouvoir... Ils se demandent quand est-ce qu'il sera libéré. Voilà, quand... C'est une expression pentecôtiste. Il y a une expression pentecôtiste qui est courante. On doit me libérer. On doit me libérer, oui. Papa, quand est-ce que tu vas me libérer? Franchement. Mais si tu savais que cette prison on a changé, ça ne dit plus volonté. Ça. Parce que si on ne te met pas dans ces conditions, il y a des choses que tu ne comprendras jamais. Jamais, c'est sûr. Alors, je voulais aussi ajouter quelque chose de très important. Quand on parle de l'appel, on oublie que, en fait, quand, comme il a dit, honore ton père et ta mère, pas seulement pour que tu vives longtemps, mais pour que tu sois heureux. Amen. Béni, amen. Beaucoup bénissent les gens qui les écoutent, mais eux-mêmes, ils ne sont pas bénis. Je connais beaucoup de pasteurs qui se plaignent. Ah, homme de Dieu, mes brebis là, quand ils ont des problèmes, je me tue, je jeûne. Quand ils sont bénis, ils m'oublient. Tu vis ça une fois, tu vis ça deux fois, trois fois. Quand on est honnête, revise tes relations avec ton père spirituel. L'onction que tu n'honores pas ne peut pas t'honorer. C'est tout, c'est clair. C'est clair. Si tu ne reconnais pas que tu es ce que tu es parce que quelqu'un prie pour toi ou bien a prié pour toi, pourquoi veux-tu que les gens pour qui tu pries te soient reconnaissants? Non, c'est clair. C'est clair. Ce sont ces choses qui nous poursuivent. Et puis, parfois, les gens vont se demander, est-ce que vraiment là, Dieu l'a appelé? Dieu l'a bien appelé. Dieu le connaît même. Mais il est dans la liste subsidiaire. Parce qu'il n'a pas voulu comprendre ce qu'il doit comprendre. Et puis, bon, ce qui est intéressant ici, avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que même si tu t'es cafouillé, tu t'es trompé, tu es convaincu que là, ton père ne peut plus te dire bonjour parce que tellement tu as vécu comme un âne sauvage qui n'a de compte à rendre à personne. La clé, je crois, je l'ai dit au cours d'un direct que j'ai fait. La clé, c'est d'appliquer le verset des proverbes qui paraît péjoratif. Le verset des proverbes dit « Les présents corrompent les grands et élargissent les voies. Prends une bonne offrande. Mets-toi à genoux. Si tu veux, marche à genoux depuis la terrasse. Dis, papa, je ne suis pas digne de te regarder. Dis seulement un mot. Mon ciel est fermé là. Même s'il ne t'adresse pas la parole, même s'il te dit, en tout cas, dépose ça et puis pars. Au moins, tu l'as fait. Derrière. Il va verser des larmes devant Dieu qu'il ne va jamais verser devant toi. C'est vrai, c'est vrai. Il va dire des choses à Dieu à ton sujet, c'est vrai. Mais il ne va jamais te montrer qu'il lutte pour toi. C'est vrai. Parce que le problème des enfants, quand vous montrez un enfant que vous l'aimez, il devient un enfant gâté qui ne s'améliore pas. Donc parfois, le visage serré de papa n'est pas un manque d'amour. C'est un entraînement militaire. Parce qu'il sait que tu vas vivre des choses compliquées. Si tu as un esprit, excusez-moi les femmes, si tu as un esprit de femme, c'est-à-dire qui pleure facilement, qui se découche facilement, qui se décourage facilement, on ne peut pas t'utiliser. C'est clair. C'est vrai, voilà. C'est clair. Donc c'est un peu ça. Une autre erreur à éviter, apôtre. Une autre erreur, si tu en as d'autres. Oui, moi je pense que l'une des erreurs, c'est l'impulsion.
patience. Hey. L'impatience. Hey. On est toujours convaincu qu'on est déjà prêt. Malheureusement, même quand on te demande d'exercer à côté du père, tout le monde se rend bien compte que tu as des lacunes. Mais il y a que toi qui es convaincu que tu es prêt. L'impatience est un ennemi qui fausse la paix. Deuxièmement, je l'ai dit en introduction, les mauvaises collaborations, les mauvaises coalitions. Si vous voulez aller loin, soyez comme Élisée. Élisée s'est interdit de vérifier une information juste parce que pour lui, la source n'était pas fiable. Trois groupes de prophètes lui disent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de ta tête aujourd'hui ?» Nous tous, nous lisons la Bible. À quel moment Élie a dit à Élisée qu'aujourd'hui, Dieu va m'enlever ? Jamais ne lui a dit ça. Mais écoutez la réponse qu'Élisée donne. Ouais, je le sais aussi, taisez-vous. Combien de fils spirituels, combien d'appelés peuvent faire taire quelqu'un qui veut dire des choses négatives sur son père juste parce que la source n'est pas fiable? J'explique. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais toi, tu es là à serre. Hein, moi, je te dis un truc. Hein, moi, j'ai parlé un jour avec ton apôtre, là. Mais il m'a dit que oh, lui, là, c'est un nul. Hein, il ne sait pas travailler. Ah bon? Non, je vais aller vérifier. Non, je vais un peu demander au pasteur Darius, toi qui parles beaucoup avec lui. Parce que dès que quelqu'un commence à vouloir vérifier, c'est qu'il n'est pas son fils spirituel. Qu'il a un doute et il ne devrait pas douter. Il devrait faire confiance. On t'a dit qu'il a dit des choses. Non, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, ça ne me regarde pas. Moi, ce que je sais, c'est que mon avenir dépend de ce que lui, il dit. Amen. La preuve, c'est que dans le ministère, c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas penser que parce qu'on a versé l'huile sur ta tête ou bien on t'a établi quelque part, ça veut dire que tu as le diplôme pour faire ce que tu veux. Tu dois toujours prendre des instructions. Moi, j'ai un mentor à Kinshasa, Papa Élisée, qui d'ailleurs viendra parler à mon anniversaire, mes 50 ans ce dimanche 2. Quand je fais une croisade, quand je fais quelque chose, je l'appelle. Papa, j'ai tel défi, prie pour moi. Je sais que même sans le lui demander, il le fait. Mais entre-temps, je fais un petit Western Union. Il ne me le demande pas. L'offrande connecte ton ministère à l'âme de ton père spirituel. Parce que c'est l'âme qui bénit, ce ne sont pas les paroles. Amen. L'apôtre peut vous dire tous les jours ici, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et puis il ouvre les yeux et regarde, mais depuis que tu dis soyez bénis, là, qu'est-ce qu'ils font les gars? C'est vraiment ce qu'Isaac va dire quand tu vas bénir, que mon âme tu te bénisse. On reproche, on a parfois l'impression que les anglophones prospère plus dans le ministère que les francophones. Mais ils ont compris ça plus tôt. Tu ne vas pas avoir un père spirituel avec des belles paroles. Fais quoi avec tes belles paroles? Dis-moi quelle est la révélation que tu peux avoir qui va impressionner ton père spirituel. C'est parce que toi, tu viens d'avoir ça que tu trembles. Mais lui, il a vu ça avant toi. Il a chassé les émotions de lui. Donc, ce que tu peux faire, c'est aller souvent prendre des instructions. Non seulement il ne faut pas être impatient, mais il faut souvent aller prendre des instructions. Quand un temps passe, va renouveler ton alliance, va bâtir un hôtel auprès, du moins, pour, à mon entendement, chaque année, on doit avoir un temps où on va vers son père spirituel pour dire, papa, ta grâce, dis quelque chose. Amen. Tu n'as pas un problème, tu n'es pas malade, le ministère marche bien. Mais t'attends pas que la tempête se lève pour collaborer avec les gens de la météo. La météo a les infos. C'est clair. C'est clair. C'est vrai qu'avec tout ce qui vient d'être dit, bon, c'est vrai que l'apôtre, notre père, et puis il y a un point, c'est vrai qu'au début j'ai posé une question, c'est vrai qu'on a, tu as beaucoup insisté sur un aspect de la foi. C'est vrai que je insiste quand même un peu avec tout ce qui a été dit sur l'amour. Vraiment, je pense que la Bible dit également qu'on reconnaîtrait les chrétiens parce qu'ils aiment en fait. Donc je voulais quand même que si on peut insister un peu sur l'amour par rapport à ce qui a été dit. Je veux bien comprendre la question. L'amour de l'appelé vis-à-vis de son père ou bien du père vis-à-vis de l'appelé ou bien vis-à-vis de l'appelé vis-à-vis des fidèles fait, qu'il va pêtre. En fait, je veux peut-être, quand on parle de l'appel, peut-être du leader, en fait, en connectant peut-être ça, encore une fois, à David, en fait. Parce que tu as dit quelque chose, qu'on reconnaît. Un fils, il est vraiment fils, à partir du moment où il voit la nullité,
de son père. Mmh. En fait, c'est l'homme dans va vraiment voir sa capacité à gérer, à gérer ça. Mmh. En fait, son amour qu'il a vraiment pour son père. Mmh. Je pense à l'une des émissions, il y a quelque chose qu'on avait dit, que Dieu parfois, les vérités sont parallèles. Et que Dieu parfois, pour nous faire comprendre les réalités spirituelles, il va prendre des choses naturelles. Par exemple, il va parler de famille, il va parler... Pour nous faire comprendre, on disait parfois que... en fait, parfois, quand les gens sont pasteurs, on va être plus, comme plus dur avec eux. Alors que quand on est dans nos familles biologiques, il y a des, on va être plus tolérant, on va être plus dans l'amour parce que ce sont nos parents de sang. Alors parfois, la famille spirituelle est quelque part supérieure et même éternelle parce qu'on est une famille, on ira tous au ciel. Donc, je voulais vraiment... On voit ça avec David, comment il va vraiment faire preuve d'amour. Ce que je peux dire, c'est que... Dès qu'on est appelé, enfin du moins dès qu'on a conscience de son appel et qu'on connaît l'autel qui alimente notre appel, dès ce jour-là, trêve d'attente de l'amour. N'attends plus l'amour, toi plutôt rends au leader l'amour qu'il a toujours manifesté en te faisant la grâce d'être connecté à lui. Attends, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi c'est les fidèles qui doivent toujours faire l'offrande. Et c'est vraiment dans ce sens. Pourquoi c'est le fils spirituel qui doit toujours venir manifester, célébrer la grâce? Est-ce que le père ne peut pas faire l'inverse? Il peut le faire, mais il l'a déjà fait pour le temps que Dieu lui a demandé de le faire. Maintenant, Dieu dit, tout ce que tu as appelé à réaliser, je l'ai mis en lui. Chaque fois que son âme sera contente, il va déclarer une parole pour que tu passes au niveau supérieur. Donc, en fait, par rapport à l'amour, tu as besoin maintenant de démontrer ta loyauté, démontrer ta capacité à se mettre au-dessus de ce que tu considères comme des injustices. Parce que, écoutez, Noé avait vraiment bu le vin. C'est pas une invention, c'était pas le jus de raisin. C'était pas le jus de raisin. Merci parce que tu vas vraiment dans le sens de la question. C'est vraiment vers les fils vers les pères. Voilà. C'est vraiment le sens de ma question. C'est pas c'est important parce que beaucoup de fils souvent se plaignent par rapport au caractère des pères. Il y a des pères qui sont très durs, ça je le comprends. Il y a des pères aussi qui sont intransigeants. Il y a même des pères qui sont rancuniers. Quand vous avez la grâce d'un père qui il se met en colère le matin, avant le soir, vous prenez le repas ensemble, il faut rendre grâce à Dieu. Non, je vous le dis, il y a des pères qui ont gardé dans leur fils pendant 7 ans. C'est un autre homme de Dieu qui l'a convaincu comme toi aussi. Libère le fils, vraiment, c'est rien. C'est même d'autres qui ont intercédé et puis finalement, il a ouvert son cœur. Donc, effectivement, il arrive parfois qu'on ait l'impression que il m'a trop gardé ou bien il est trop dur avec moi. Mais je vous dis, je vous garantis, même dans nos familles africaines, les parents sont toujours durs avec celui dont ils ont détecté qui va gérer la famille. Non, c'est vrai. C'est vrai. D'abord, on ne lui dit jamais que c'est toi qui vas gérer. On le taloche, on crie sur lui. Un vaurien comme ça, vraiment. Mais c'est une école qui, plus tard, développe en lui la patience. Là, il comprend beaucoup de choses. Et quand il sera chef, il ne va pas se venger sur ses frères. C'est vrai. Il ne va pas laisser les canards boiteux. Ceux qui sont forts, il va leur demander de penser à l'autre. C'est quoi une famille? C'est un mélange des faibles et des forts. Et on dit dans une famille, on a besoin de tout le monde, y compris du fou. Même le fou, il est important dans la famille parce que il y a des situations où on n'a pas besoin de celui qui fait trop de diplomatie. Il faut un fou pour casser d'abord la baraque. Après, on va s'expliquer pour demander juste un guéri. Il faut des remis qui dégagent. C'est important. Pierre était là dans l'équipe de Jésus. Parce que si tu dans ton ministère, il n'y a que des gens qui tout le temps la tête est sur la poitrine de Jésus, dans les visions. Bon, quand les soldats arrivent, Jésus en danger. Il faut aussi des pierres qui soient capables de sortir l'épée pour défendre Jésus. Et c'est là où que je voudrais amener un peu les fils à comprendre que être connecté à un père, c'est un chantier qui ne finira pas jusqu'à ce que Dieu te retire de la terre. Amen. Amen. Non, on n'est pas père, plutôt on n'est pas fils de quelqu'un juste pour qu'il nous établisse pasteur ou bien prophète et puis c'est fini le contrat. Non. C'est même au fils d'enterrer le père quand Dieu aura fini avec lui. Amen. Vous allez voir que chez les anglophones,
quand un géant décède, ses fils spirituels prennent le contrôle des obsèques par rapport à sa famille biologique. Wow. Regardez le niveau de confiance. Il y a des secrets que les parents ne connaîtront jamais jusqu'à la mort, mais les fils spirituels connaissent. Wow. C'est pour dire qu'il ne faut jamais se dire que j'ai déjà, il y a longtemps, j'ai servi, donc c'est maintenant le temps qu'on me serve. Tu perds ton temps. Pendant qu'on est en train de te servir, continue à alimenter la source. Parce que tous ceux qui sont bénis par toi, toi tu n'es qu'un tuyau. Amen. L'eau vient du Père. Amen. Et le Père lui-même, il a un tuyau qui l'alimente. C'est peut-être ça qui est notre problème. Hein. Je vous informe que l'apôtre paye sa dîme à quelqu'un. On peut toujours aller vérifier. Et ce quelqu'un qui reçoit la dîme de l'apôtre, lui aussi paye la dîme à quelqu'un. C'est la loi de Melchisédek. C'est ça. Yes. Donc, Abraham n'est pas le consommateur final de la dîme. Il a eu le butin, il paye la dîme à Melchisédek. Melchisédek lui-même, il connaît la relation qu'il a avec Dieu, il sacrifie des choses à Dieu. Mais toi, dès que tu commences à dire, oui, mais pourquoi c'est tout le temps moi qui dois faire des offrandes? Pourquoi c'est moi tout le temps qui dois venir prendre des instructions? Pourquoi? C'est comme si tu es en train de dire, pourquoi mes enfants viennent toujours me donner les offrandes? Mais je n'ai jamais vu un pasteur qui refuse l'offrande. Hein. Voilà, donc vraiment, on a besoin de comprendre ces choses. On a besoin de comprendre ces choses. Ok, en tout cas, gloire au Seigneur. Vraiment, je crois que vous avez été bénis. Je crois que il y a beaucoup de choses. Hein. Vraiment, le sujet est loin d'être traité. De manière exhaustive. Voilà, de manière exhaustive, c'est pas possible. C'était juste, Quelques pépites. Merci. Quelques pépites par-ci, par-là. Je crois que vous avez été bénis. On va prier pour ceux qui nous regardent, qui ont un appel, qui ça brûle, ceux qui sont impatients. On va demander au Seigneur de les aider. Hein? Et puis, on va les remettre à la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui nous regardent maintenant. Père éternel, merci. Je sais que tu es celui qui appelle. Je sais que tu es celui qui équipe. Tu es celui qui prépare. Je prie, Père, pour tous les internautes qui nous regardent, qui ont des appels. Je prie, Seigneur, que tu conduises leur temps de préparation. Père, je prie que tu puisses leur parler. Père, s'il y a eu des désobéissances, s'il y a eu des choses qu'ils ont faites qui compliquent leur destinée, Père, merci parce que tu les restaures au nom puissant de Jésus. Je te bénis pour tout ce que tu fais dans nos vies et dans leur vie. Amen. Amen. Vous qui me regardez actuellement, si cette émission vous a béni, je vous invite à soutenir cette chaîne de télé, Évangile TV, en faisant une offrande sur PayPal. Les liens s'affichent juste en bas du player. Nous avons reçu l'apôtre Alphonse Guimba, qui est le responsable du ministère Centre d'adoration Hermon au Gabon, un ministère qui a plusieurs églises à Libreville, à Lambaréné. Et il a une chaîne de télé, une chaîne de radio, la télévision Hermon. Il est père de 5 enfants et il est marié à une merveilleuse femme. Donc ce ne sera pas la dernière fois qu'on le reçoit ici. On va le recevoir encore et encore. C'était juste pour le présenter à vous, chers Assyriens et chers partenaires de ce ministère, chers amis d'Évangile TV. Je crois que vous avez été bénis par son ministère. Je vous dis en tout cas à bientôt au prochain Pendule à l'heure. Ciao, bye bye.